Merci infiniment pour cette ouverture. Oui, oui, c'est bien une ouverture. Puisqu'on parle souvent d'austérité au niveau, disons, de nos économies, et il ne faut pas oublier qu'il y a une austérité justement contre laquelle va lutter ce genre d'initiative, et c'est l'austérité politique, l'austérité du débat politique. Et donc, mille fois merci pour ça, mille fois merci pour ouvrir ce débat, pour permettre que des personnes comme moi, avec une expérience qui n'est pas politique, eh bien, puissent aussi amener des éléments qui vont alimenter justement ce renouveau politique auquel vous participez. Donc, on a entendu parler de l'Espagne. Et au-delà de l'Espagne, ce qui caractérise l'Amérique latine, l'Argentine en particulier, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est justement la vivacité de la participation à ce débat. Eh bien, de nous tous, et de nous tous demain, mais parce qu'ici, c'est pas encore tout à fait établi, et c'est peut-être là aussi que nous aurons tous un rôle à jouer pour dynamiser cette activité. Ça pourra et ça devra passer par les syndicats, évidemment, l'entreprise est l'endroit où les informations et où la connaissance de ce qui se passe doit bien en sortir pour être justement mise sur le devant de la scène. Et quand on voit donc aussi donc le pourquoi de ce débat, ben c'est pour quelque chose qu'on entend souvent, qui est de pouvoir dire non, d'accord ? Dans ces périodes où on rend honneur à l'esprit de résistance, je pense que nous sommes nombreux ici à avoir une idée, à avoir le sentiment de ce que peut signifier la résistance. Résistance aux banques, évidemment, résistance à toute forme d'oppression. Et ça me donne l'occasion donc de revenir à la discussion que j'ai eu la chance d'avoir hier avec justement une figure du cinéma étranger, du cinéma argentin, qui non seulement est devenu aussi et un militant, et qui, comme toute personne qui a connu la résistance contre des pouvoirs donc injustes, eh bien a connu la prison. Et c'est ce qu'il me disait hier. Il dit, ben, finalement, c'est un peu un diplôme, souvent en Amérique latine, où la démocratie est contrainte et opposé à un pouvoir bien établi, bien ancré, et où justement les réseaux sociaux se développent parce qu'il y a même une défiance par rapport aux médias. Donc c'est un peu des fois le signe justement de cet engagement que certains puissent aller vers la prison. Mais l'important au niveau de l'expérience de l'Argentine, c'est que ce sont ceux qui ont dit non à la finance il y a déjà quelques années. Ce sont ceux qui ont refusé les fonds vautours. Ce sont ceux qui ont dit, cette dette, qui est rien que l'expression de gens qui ont joué avec nos pays, avec nos économies, eh bien, on va la refuser. On va refuser que qui ? Eh bien, qu'une puissance, et américaine en l'occurrence, nous dicte ce que nous devions faire avec nos économies, avec notre argent. Ils ont refusé, ils ont réussi. Et alors qu'il me rapportait donc cette personne, il y a quelques années, lorsque l'Europe s'enrhumait, eh bien, l'Argentine, elle, chopait la pneumonie. Alors qu'il y a quelques années, c'était ainsi. Aujourd'hui, eh bien, c'est le contraire. Ils nous regardent malades. Ils sont conscients que nous, ici, nous n'avons pas su mettre un halte là, justement, à ce diktat. Et quand il regarde ça, il dit, ben nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait appel à quoi? À nos institutions. Nous avons fait appel à celles disponibles. Nous avons contesté une hégémonie, un diktat américain en l'occurrence, comme nous, effectivement, nous aurons à le faire, comme vous le citiez, avec la TAFTA. Pourquoi? Parce que justement, c'est d'en bas que les choses doivent se faire. Quand nous regardons ce qui se passe en Espagne, où finalement la vivacité du renouveau vient des municipalités. C'est exactement ça l'enjeu, c'est ouvrir le débat des entreprises au niveau des municipalités pour connaître exactement ce qui nous est permis de faire. Et donc l'Espagne va nous inciter et nous amènera donc, je crois, à remettre en question notre implication dans les réseaux sociaux et pour se rapprocher de nos institutions, donc qui sont les armes normalement, pour réagir, qui sont les armes pour s'opposer à des décisions politiques qui, elles seules, donnent la priorité donc à des politiques bancaires.
C'est extrêmement important de comprendre que la plupart du temps, ce qui nous fait défaut, c'est la connaissance des vrais mécanismes. Cet après-midi, nous aurons l'occasion justement d'en débattre. Excusez-moi, j'ai un petit lapsus espagnol. Et ce sera l'occasion justement de montrer l'importance que a le secret pour maintenir les inégalités. Comment ce secret, finalement, donc cette information explique aussi l'importance des réseaux sociaux qui devraient s'ouvrir vers l'extérieur depuis les syndicats, dans les entreprises, qui devraient s'ouvrir à l'extérieur comme vous le faites aujourd'hui à l'occasion de ce genre de rencontre. Donc, je ne vais pas m'étendre indéfiniment sur le sujet, vous aurez tous compris qu'on aura l'occasion cet après-midi pour le faire en détail, mais en tout cas, donc, mon message, c'est celui de l'importance de savoir qui est en face de nous, qui prend une décision, sur quelle base, sur quelle information, et surtout de témoigner que les orientations prises ne tiennent pas compte de l'ensemble des informations disponibles. Merci beaucoup, Hervé Falciani.